Bah écoute Isabelle, on va commencer et puis on va commencer par te présenter déjà. Si Oui. tu peux te présenter un petit peu en Ah, je succinctement le parcours, qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui à notre deuxième édition des Cafés IQSE et puis bah, surtout qu'est-ce que tu as comme actualité aujourd'hui et puis dans les jours à venir, pardon, À certainement. venir. Ouais, je m'embrouille. Vas-y. Déjà, bah, écoutez, déjà, on va commencer par dire bonjour à tous nos Eh participants. oui. Voilà, donc ceux qui sont présents, donc bonjour à tous. Merci de m'avoir invité, Florian et puis Nicolas, entre autres, et entre autres, parce que vous êtes plusieurs dans cette équipe, donc l'équipe des Cafés IQSE, Voilà. au complet, c'est plus simple. Moi, je m'appelle Isabelle Guenet, et je suis la fondatrice d'une entreprise innovante qui s'appelle Skility. Alors, qui suis-je aussi, hein, je suis une consultante. Aujourd'hui, formatrice et auditrice dans tout ce qui est qualité, sécurité, environnement et organisation industrielle. Donc, du coup, voilà, on est dans la thématique hein, des cafés IQSE, puisque le spectre de mes expériences professionnelles qui date d'un petit peu vieux, hein, je ne suis pas toute jeunette, 1994, hein, j'ai commencé ce métier, bah, permet que je sois maintenant témoin dans ce type d'événement et puis il m'a permis aussi de monter l'entreprise innovante qui s'appelle Skility. Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire Skility hein? Et un petit peu d'histoire. Je pense que c'est pas mal Voilà, de c'est bien de faire un petit remettre peu un peu le d'histoire. contexte au-delà Voilà, des remettre mots. un contexte. Et ce contexte, bah, il vient justement de cette expérience professionnelle que j'ai commencée en 1994 hein, dans ce métier du management des risques et de l'organisation industrielle. Et notamment, je faisais à l'époque du temps partagé, c'est-à-dire du multi-temps partiel dans plusieurs petites entreprises, TPE, PME. Et à cette époque-là, eh bien, à cette époque-là, l'accès au conseil n'était pas simple, l'accès à la formation n'était pas simple, entre autres. Et du coup, ça m'a donné cette idée de Skility. Alors, je l'ai pas mise en œuvre tout de suite, hein, ça me l'a donné. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, finalement, on se rend compte que l'accès au conseil pour les TPE-PME n'est toujours pas simple, que l'accès à la formation, eh bien, quelquefois, il y a des sujets qui ne sont pas simples, comme les expertises qualité, sécurité ou environnement, entre autres, des sujets qui ne sont pas sexy non plus, hein, Oui, entre autres. Voilà. c'est une image un peu poussiéreuse quand même, hein, Ouais, c'est ces ça. C'est pas approches-là. facile non plus de dynamiser des formations hein, pour des formateurs. Hein, voilà. Et du coup, ça m'a donné cette idée de me lancer dans l'entrepreneuriat innovant en 2014, hein, notamment après multiples expériences. Hein, voilà. Je me suis dit, mais si on proposait aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, puisqu'on peut le faire, des alternatives, alors à l'accompagnement conseil, à la formation, et à la conception de formation. Alors, des alternatives pour qui? Bah, pour des entreprises, hein, donc pour mener à bien leurs projets, notamment en termes d'accompagnement. Des alternatives pour des participants à des formations, des gens qui souhaiteraient se former, les collaborateurs d'entreprise, pour avoir des formations un petit peu plus sympathiques, voilà, voire multiniveau, pourquoi pas, hein, voilà. Et à des formateurs pour dynamiser un petit peu leur formation QSE, hein, qui, comme tu le dis, Nicolas, sont un peu poussiéreuses de temps en temps. Et du coup, bah, je me suis dit, bah, je vais monter hein, ma société innovante et je vais l'appeler Skility. Pourquoi Skility? Parce que ça veut dire obtiens la compétence par toi-même. Voilà. Oh, Hein, donc, bien trouvé. alors ça, voilà, obtient la compétence par toi-même, ça permet à une TPE notamment de pouvoir eh bien, trouver une alternative digitale en accompagnement conseil si elle n'a pas les moyens d'avoir recours, par exemple, à un consultant présentiel ou bien si elle ne peut pas recruter. Ça permet à un collaborateur d'entreprise de se former de manière un petit peu innovante et par lui-même, notamment au travers du jeu vidéo, sur une Skill City, c'est-à-dire une plateforme de jeux vidéo pour apprendre. Parce que c'est ce Et qu'on voit puis, en sous-titre, en fait, Skility, jouer professionnel. On fait le eh lien avec oui. ce qu'on disait la semaine dernière avec Céline Berger. Effectivement, le jeu reste quand même une partie très intéressante pour dépoussiérer justement ces approches, avoir une approche peut-être plus inclusive et enthousiasmante, on va dire.
Tout à fait. Et le troisième volet de Skillity, c'est pour donner des outils à des formateurs, alors formateurs internes, hein, comme les animateurs sécurité, comme les animateurs qualité ou les animateurs environnement, qui doivent en plus transférer, acculturer l'entreprise, leur donner des outils un petit peu innovants, un petit peu ludiques, hein, justement, pour qu'ils puissent transmettre ces messages. Alors, jouer professionnel, Nicolas, tu fais bien de me faire penser à ça, hein, parce que c'est dans tous les sens du terme. Alors, jouer professionnel, parce qu'on est des professionnels, on est, même si on joue entre parenthèses sur les avec les Skilly Tools et sur la Skill City. Je vais vous faire voir un petit peu les contenus hein, de ces éléments-là. Même si on joue à des jeux vidéo ou si on fournit des outils un petit peu ludiques pour apprendre. Alors, je rigolais tout à l'heure, mais voilà. Donc ça, c'est j'ai un petit buzzer là, que vous voyez peut-être en transparence. D'ailleurs, et lui aussi… Moi, tu réveilles tout le monde. Voilà, et donc ce petit buzzer-là, en formation, hein, ça me sert à animer des équipes hein, sur, et à challenger des équipes, notamment sur de la mise en pratique, notamment de vocabulaire, de concepts, la découverte des concepts qualité, sécurité ou environnement. Les réglementations, c'est un peu barbant, hein, entre autres. Du coup, en formation, j'anime, moi, depuis 1996, quand même, avec des outils ludiques. Hein, j'ai créé mon premier jeu de formation en 1996 sur les méthodes de résolution de problèmes, notamment. Ce premier jeu, c'est d'ailleurs le premier jeu qui m'a fait penser à la Skill City, c'est la plateforme de jeux vidéo. Vous voyez un petit peu l'historique, puisqu'en fait, j'avais des copains informaticiens et j'avais inventé une enquête policière hein, pour faire passer les méthodes et outils de résolution de problèmes, que j'utilise encore aujourd'hui en présentiel d'ailleurs. Et je m'étais dit, on va la transformer en jeu vidéo. Alors à cette époque-là, ils m'ont pris pour une folle. Hein, les... C'est vrai que clairement, t'imagines Nicolas, en 1996, tu dis à quelqu'un, ce serait bien qu'on fasse de l'enquête policière un jeu vidéo. Je ressors des jeux de rétro gaming en ce moment, j'ai vu un jeu de 96 hier, pas plus tard qu'hier avec mes enfants, et ils m'ont dit qu'est-ce que c'est moche et qu'est-ce que c'est compliqué. Et effectivement, la technologie n'était pas au même stade qu'on connaît aujourd'hui. Hein. Ah oui, la qualité de l'écran non plus. Hein. Oui, voilà. Carrément. Donc, t'imagines un peu. Et aujourd'hui, c'est possible. Et en fait, l'histoire de Skillity, elle commence vraiment. Alors, elle date de vieux, mais elle commence vraiment en 2014. Quand j'ai rencontré Aline Ovapole, où tu loges aujourd'hui, Nicolas, avec ton bureau, hein, voilà, entre autres. Aline Ovapole, un monsieur qui s'appelle Thierry Gonard et que je ne sais pas s'il est dans la salle, je ne pense pas parce que ce n'est pas son métier le QSE, mais Thierry Gonard c'était à l'époque le directeur de l'Innovapole et quand je l'ai rencontré et que je lui ai expliqué ma folie, hein, mon envie, mon rêve de faire d'un truc, de transformer mon fameux jeu vidéo, qualité en jeu vidéo, il m'a dit mais je peux peut-être vous aider parce que je connais des gens qui pourraient vous aider à le faire. Et c'est là que l'histoire de Skillity a commencé. C'est-à-dire que, alors, les gens qui pouvaient m'aider à le faire, d'accord. Oui, j'ai commencé en 96, effectivement, je vois les commentaires qui arrivent. Ça m'a toujours fait marrer. Alors, en fait, j'étais toute jeunette hein, et on me demandait de faire de la formation et d'animer les méthodes de résolution de problèmes dans un organisme que tu connais très bien, Nicolas aussi, qui est le CESI. Hein, notre monde est tout petit. Le CESI à Caen, notamment, hein, où j'ai accompagné les masters qualité à l'époque du CESI et puis les contrats de les techniciens supérieurs en organisation et gestion de la qualité. Et donc, pour animer en présentiel ce type de formation, il fallait être inventif et je me sentais pas capable de défiler des slides en fait. J'ai jamais su. Hein, donc, faut que ça corresponde à ce que toi tu as envie de proposer. De toute façon, l'idée c'est quand ça. Même on vend mieux quand on est convaincu par un produit. On n'est jamais aussi bon vendeur que dans ce cas-là. Quoi. Si on n'y croit pas. Faut pas s'attendre à ce que les autres y croient, hein, ceux qui nous écoutent. C'est ça, exactement. Donc, du coup, pour animer cette formation méthode de résolution de problèmes, j'ai inventé un jeu, une enquête policière. Ça a fait marrer tout le monde. Moi aussi, je m'amusais beaucoup. Je me suis dit, on va le transformer en jeu vidéo. Il a fallu un petit peu de temps pour pouvoir le faire. Aujourd'hui, il est en train de se faire. Hein, donc, j'ai trouvé l'outil magique. Ceci dit, pour revenir à cette fameuse société qui pouvait me développer mon enquête policière sous forme de jeu vidéo, ils n'ont pas pu parce que c'était trop cher.
Voilà, ce n'est pas ce que j'ai fait en premier. Par contre, j'ai développé avec eux un premier jeu qui est un jeu de cette famille santé sécurité au travail. Et qui aujourd'hui, alors en cadeau, alors parce que c'est bientôt les journées mondiales de la santé sécurité au travail, Nicolas. Exactement, je voulais revenir après, mais effectivement, on peut déjà on peut l'aborder tout de suite d'ailleurs, hein, si tu veux. Alors on l'abordera après, mais voilà, mon cadeau. Et d'ailleurs, pour vos participants aussi, il faut savoir que sur la plateforme La Skill City, ce fameux jeu de cette famille santé sécurité au travail, hein, eh bien, il est en libre service, c'est-à-dire qu'il est gratuit, il est offert. D'accord. Voilà, sur la plateforme, voilà. Je vais vous faire voir où c'est, justement, j'en profite pour vous présenter un peu plus. Exactement. Hein, ça va être donc parfait, comme ça, on a l'illustration concrète. Exactement, hein, c'était l'idée de pouvoir aller vous montrer. Alors, hop, je vais aller me balader. Est-ce que vous voyez l'écran que je vous partage? Oui, tout à fait, on est sur Skillity. Et bien voilà, donc vous êtes sur la plateforme Skillity et vous retrouvez les trois concepts que je vous ai évoqués tout à l'heure, le Skill Campus, l'accompagnement conseil digitaux guidé, hein, donc là pour le coup c'est pour accompagner des TPE-PME, enfin pour les accompagner, pour leur tenir la main en auto-accompagnement. Conseil. Alors là, c'est un concept qui est complètement révolutionnaire puisqu'il n'existe pas. Parce que est-ce que tu peux l'expliciter un peu plus? Parce que leur tenir la main en auto-accompagnement conseil, c'est un peu. Ça mérite des précisions. Je vais même cliquer pour dérouler un petit peu comment ça se passe. Et vous pouvez trouver ça sur www.skillity, hein, donc voilà, .fr. Voilà. Vous avez tous les concepts, j'ai rien inventé, je les ai juste écrits à l'intérieur. Alors, comment ça marche l'accompagnement conseil? C'est assez simple. Aujourd'hui, en vrai, en présentiel, on est consultant. Une entreprise nous dit, Isabelle, accompagnez-moi sur une démarche qualité ou une démarche sécurité ou environnement, hein, comme toi, Nicolas. Et là, tu vas voir l'entreprise et puis pas à pas, tu l'emmènes. Tu dis, je vous explique, première étape, je vais donner n'importe quelle étape, on fait un diagnostic. Je vais commencer par la première tant qu'à faire. Hein. On fait un diagnostic, donc… Toi, en tant que consultant, Nicolas, tu fais le diagnostic, hein, moi aussi. D'accord. Voilà, on fait un rapport de diagnostic, on fait des préconisations, puis après, on commence à avancer peu à peu. Donc, chacune des étapes, première étape, on va commencer, tant qu'à faire, par poser un petit peu le contexte avec l'entreprise, lui expliquer comment elle doit faire pour le faire, etc., lui donner un modèle pour qu'elle puisse le refaire. Un petit cadre, quoi. Un petit cadre. Eh bien, le Skill Campus, c'est ça, mais en digital. C'est-à-dire que toutes les étapes de l'accompagnement conseil sont digitaux guidées. Donc, étape après étape, et on va emmener le client du diagnostic. Alors, ça va être un auto-diagnostic initial, évidemment, jusqu'à l'audit à blanc, qui est aussi un auto-audit. Alors, audit à blanc, non, ce n'est pas un auto-audit. Il y a l'auto-évaluation finale avant. Mmh. Et puis ensuite, l'audit à blanc est fait par un consultant en ligne. Aujourd'hui, on fait les audits en ligne, quoi. Et ça va lui permettre de passer passer sa certification s'il souhaite passer la certification et l'obtenir. Hein, donc, l'objectif du Skill Campus, c'est de faire en sorte que tous les parcours d'accompagnement conseil que je connais, puisque ça fait quelques années que je le fais, et que j'ai emmené au succès, eh bien, on est exactement la même chose dans le Skill Campus, mais l'entreprise qui n'a pas forcément les moyens de faire appel à un consultant va pouvoir paramétrer l'ensemble de son parcours, c'est-à-dire choisir du 100% digital. C'est pas pour ça qu'il n'y a pas de consultant derrière. Hein. Oui. Attention. Parce que ça peut faire peur peut-être aussi d'être livré à soi-même. Et du coup, d'avoir un petit cadre, à quelqu'un qui vient juste dire de temps en temps, hop, garde-fou, attention. C'est ça. Donc, dans la version totalement digitalisée, l'entreprise, on va dire, n'aurait pas besoin d'un consultant présentiel ou même à distance. Pour l'instant, c'est encore un petit peu tôt, c'est pas encore acculturé, mais c'est le principe, c'est-à-dire qu'à chaque étape, il y a une validation d'un consultant qui est en back-office quand même, même dans le parcours totalement digital. Ceci dit, on peut faire appel à ce consultant aussi, on téléphone à un ami, clairement. Donc, du coup, on va paramétrer son parcours en disant, je vais prendre quelques heures parce que je voudrais bien téléphoner à un ami de temps en temps parce que j'ai besoin de conseils, hein, donc même si j'avance tout seul, digitaux guidés, c'est une plateforme LMS, si on peut appeler ça comme ça. Effectivement, de temps en temps, je veux voir quelqu'un et auquel cas, je vais aussi commander du présentiel. Alors,
c'est important. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que mon premier Skill Campus, parce que il date, enfin, j'ai pas inventé comme ça, c'est pas sorti de mon chapeau. Hein. Mon premier Skill Campus, je l'ai accompagné en 2004. Alors, sauf D'accord. que ça ne s'appelle pas le Skill Campus et qu'à l'époque, on n'avait pas toutes ces possibilités digitales. Mmh. Hein, on travaillait. Alors, comment ça s'est passé? C'est intéressant, l'anecdote. C'est une entreprise qui m'appelait sur recommandation et qui demandait à ce que j'accompagne sa démarche GES. Alors, GES, c'est le MAS, hein, mais voilà, c'était le MAS pour les entreprises qui travaillaient à l'extérieur de Total. Et le MAS, c'est Manuel Assurance Sécurité des oui. entreprises extérieures. Voilà, le système mmh. de management des gens qui plutôt bossent pour les pétroliers, chez les pétroliers. Oui. Et cette entreprise, en fait, m'appelait sur recommandation pour mettre en place sa démarche. Oui. Donc moi, à l'époque, j'habitais près de Lisieux et l'entreprise, je supposais qu'elle était au Havre. Je dis bien, je supposais. Voilà. Et donc, on échange tranquillement sur les tarifs, sur les modalités d'accompagnement, etc. Et je lui dis, bah, écoutez, c'est pas compliqué. Si vous voulez, je peux venir. J'ai un petit créneau demain. Je viens vous voir. Et puis, on travaille un peu plus avant sur le sujet. Dites-moi où vous êtes au Havre. Et là, elle me répond, ah, mais je ne suis pas au Havre du tout. Et en fait, ils étaient dans l'Indre-et-Loire. Donc, 4 heures de route de chez moi, quand même. Voilà. C'est pas pareil, c'est pas le même budget, etc. Et là, plutôt que de fermer la porte, j'aime pas quand je m'engage sur un truc de ne pas pouvoir servir, quoi. Voilà. Un peu frustrant. Ça fait des ordres. Hein. C'est frustrant dans les deux sens du terme. Mm. Donc, j'ai dit à la responsable QSE de l'époque, j'ai écouté, c'est pas grave, qui était ma correspondante, hein. J'ai dit, c'est pas grave, on va cogiter. Et puis, je vous rappelle, dès que je trouve une solution. Donc, le lendemain, je l'ai rappelé, je lui ai dit, écoutez, voilà ce qu'on va faire. On va optimiser le tarif, on va garder le même budget. Hein, voilà, je ne vais pas vous augmenter votre budget. On va optimiser le tarif. Au lieu de me déplacer à chaque fois, eh bien, je vais me déplacer 3 ou 4 fois, pas plus. Mm. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé. Et tout le reste, on l'a fait à distance, avec les moyens dont on disposait, c'est-à-dire le téléphone, les mails, les exemples, etc. Et on a avancé pas à pas. Et à l'époque, pour avoir le GES, c'était soit on ne l'avait pas, soit on l'avait pour un an, soit on l'avait pour 3 ans. 3 ans. Et ils l'ont eu pour 3 ans. D'accord. Et en fait, voilà. Là, on a un exemple de l'adage qui dit que de la contrainte naît la créativité. Là, tu t'es retrouvé avec une contrainte, il fallait trouver une solution, peut-être se creuser plus les méninges ou tu serais peut-être pas, serais peut-être allé plus vers la facilité, entre guillemets, sans la contrainte. Et là, ça t'a permis de t'ouvrir tout un champ des possibles, quoi. Exactement. Et du coup, c'est l'origine du Skill Campus quelque part. Mmh. C'est la cogitation, le fait de travailler dans des TPE qui n'ont pas de moyens et le fait de se retrouver sous contrainte à devoir proposer un accompagnement à distance. Mmh. Donc, c'est mon premier accompagnement à distance. Hein. Le Covid n'existe pas. Ouais. Voilà. Les plateformes LMS non plus. Enfin, un peu comme ça. Et aujourd'hui, en fait, ça me permet de digitaliser les parcours d'accompagnement conseil. Hein, ça donc, fait germer la petite graine de créative, voilà. Quoi, c'est ça. Vous avez tout le détail hein, qui est sur la page du Skill Campus, hein, vous le voyez. Alors, l'évolution par rapport à la dernière fois, c'est que effectivement, là, c'était pour moi, hein, j'accompagnais moi. Hein. Aujourd'hui, le Skill Campus, c'est une plateforme qui permet à plusieurs consultants aussi d'intégrer leur parcours conseil, hein, puisque l'idée, c'est aussi de travailler avec des partenaires. Moi, je suis plutôt en fin de carrière, hein, donc je n'ai pas envie de monter un cabinet conseil supplémentaire. Par contre, j'ai envie de porter des projets encore après. Et le digital est une vraie solution pour porter d'autres projets encore après, entre autres. Voilà, donc ça, et c'est et pour du coup, Isabelle, tu dis que c'est des consultants derrière qui sont des vraies personnes, en fait. C'est des gens qui sont partenaires, qui sont dans ta société, qui sont des salariés, pardon, ou c'est non, comment tu fonctionnes non, 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 pour l'instant, Skility est en train de devenir une entreprise, mais dans un premier temps, faut pas. Enfin, moi, je suis très prudente, j'ai déjà une société, donc on recrute quand on. Petit à petit. Oui, non, mais... ce sont des partenaires, sont des auteurs. Moi, j'appelle ça des auteurs. Et d'ailleurs, on le voit vraiment, on voit vraiment cette illustration du partenariat et des auteurs. C'est un écosystème vertueux, en fait, Skility. Et on le voit vraiment, notamment au travers des Skilly Tools, qui est quand même le morceau le plus abouti et puis peut-être le plus parlant pour vous aussi. Donc, je vais passer au Skilly Tools. Écoute, voilà, c'est très bien. Dans la foulée. Hein, donc, alors, les Skilly Tools, c'est quoi? Ce sont des outils hein, qui permettent, ce sont des outils d'innovation pédagogique hein, qui permettent à des formateurs internes ou externes, hein, d'ailleurs, QSE, d'amener ces sujets-là de manière un peu plus sexy. Alors, au travers de deux choses. La première chose, l'idée que j'ai eue, hein, c'était de packager. Alors, et je remercie Cédric Facon
du Saisi notamment, parce que c'est grâce à lui que j'ai décidé de packager tous mes outils pédagogiques innovants. Tu vois, c'est amusant. En fait, Janie, alors Cédric m'a demandé un jour d'animer, alors il n'y a pas si longtemps que ça, en 2013, hein, donc d'animer pour le Saisi une séance, une demi-journée pour transmettre mes méthodes pédagogiques, comment je faisais pour créer et animer des jeux. Du coup, je suis arrivée avec mon package de jeux, alors notamment le Trouillomètre hein, que vous pouvez trouver sur la boutique des Skilly Tools, qui est offert lui aussi. Hein, voilà. D'accord. Je suis arrivée avec mes cartes, voilà, mes multiples cartes. De jeux et à l'époque, je les sortais de mon imprimante. Hein, voilà, soyons clairs. Ah ben. Voilà. On commençait par quelque chose. Hein. Voilà. Et Cédric, une fois, j'y passais quelques nuits d'ailleurs, hein, puisque je concevais des formations ludiques pour des entreprises assez importantes, comme Saint-Louis Sucre, entre autres, où j'ai conçu des parcours totalement innovants hein, pour les journées sécurité. Et du coup, Cédric m'a dit, mais tu sors tout ça de ton ordinateur. Et là, j'ai eu un blanc. J'avoue que ça a fait tilt. Et du coup, c'est devenu la boutique des Skilly Tools. Mmh. Alors, qu'est-ce qu'on trouve sur la boutique des Skilly Tools? Je vais cliquer hein, pour vous montrer un petit peu. Oui, on voit comme ça, on va voir concrètement. Vous trouvez des jeux de cartes déjà. Alors, des jeux de cartes papier, hein, entre autres, mais pas que. Alors, ces jeux de cartes papier que j'ai partout, mais du coup, tu vois, j'ai mal préparé mon truc, j'en ai pas. Ils sont derrière. Donc, je vais arrêter de me tordre dans tous les sens. mes participants, elle a la bougeotte, cette fille. Non, du tout, je cherche un jeu de cartes. Donc, les jeux de cartes qui sont packagés. On a essentiellement des jeux de cartes sécurité bah, parce que la demande elle est tirée par la sécurité en ce moment. C'est plus ça, ouais. J'ai beaucoup de demandes en sécurité. Ceci dit, c'est pas l'objectif, c'est pas que de faire de la sécurité, il y a de l'environnement et de la qualité, c'est mon job. Et effectivement, dans un premier temps, moi je me suis dit, bah, les jeux je vais les créer hein, puisque je sais le faire. Donc j'ai créé mes premiers jeux et ce qui est intéressant, c'est que chaque jeu présentiel devient un jeu vidéo sur la Skill D'accord. City. La déclinaison se fait systématiquement. Ouais, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un jeu qui est packagé version présentielle, il est transformé immédiatement en jeu vidéo sur la Skill City. Donc, jeu de cartes, mais pas que. Hein. Il y a des jeux de plateau qui sont en cogitation. Je suis en train de sortir un jeu sur les arbres des causes à multiniveau, là, avec Anthony. On est en train de packager ça. Je suis en train de packager un petit livre d'accueil ludique totalement digitalisé pour tout ce qui est accueil sécurité dans les D'accord. entreprises. Donc là, on est sur du truc un peu fou, y compris jeux vidéo. Hein. Donc du coup, comment ça marche? La boutique des Skilly Tools, alors voilà, il y en a quelques-uns. Hein. Il y a des vrais faux, des infos intox, des bravos. Il y a des points de vie hein, qui sont distribués. Là, on est sur la partie présentielle de l'histoire. Hein. Donc, vous retrouvez dans la page suivante la box qui est une dynamique d'animation. C'est une box pour pouvoir, elle est là. Vous la voyez, pour pouvoir animer hein, des formations en qualité, en sécurité ou en environnement. D'accord. Le principe, il est simple. On a des outils, des cartes d'animation avec des buzzers, des sabliers, des cartes info atox, des cartes récompenses. Et on va utiliser ces éléments-là pour créer des dynamiques de jeu comme des quiz, comme des challenges, trois points de suspension en présentiel, entre autres pour le catalogue des Skilly Tools. Et si on est à distance, parce qu'en ce moment, on est à distance. Hein. Un peu limité, du coup. Eh bien, on va retrouver les mêmes jeux. Alors, ça vient doucement, mais sûrement, sur la Skill City, exactement. Et on a une boutique de jeux vidéo qui s'alimente au fur et à mesure. D'accord. Et je voulais vous la montrer, cette boutique. Parce que Nicolas, je te l'ai dit tout à l'heure, le jeu de cette famille, celui qui est né là, à l'origine de Skillity, qui a été packagé au départ, il est offert. D'accord. C'est le preuve de concept. Du coup, cette preuve de concept, elle sert de démo. Alors, par contre, il y a une condition, il faut la commander. Hein, aujourd'hui, moi, je n'ouvre plus la plateforme à tout le monde. J'ai eu trop de petits soucis, justement, suite à ça. Oui, gestion d'accès, tout ça. Ça doit être... Voilà. Donc, du coup, je préfère que les gens passent par le catalogue. C'est à 0 euros. Hein, donc, voilà.
C'est pour ça que c'est marqué solde, parce que c'est un WooCommerce. Hein, Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que toute l'architecture que vous voyez là, c'est aussi Bibi Isabelle qui s'est tapée en bossant, quoi. Donc, j'ai découvert des nouveaux métiers. Hein. Moi, mon métier, c'est QSE à l'origine, mais j'ai dû me transformer en concepteur digital. Hein, donc, voilà. J'ai appris à monter mon site Internet. Faire de l'ergonomie web. Voilà, comme vous. Hein. Voilà. Donc, à créer aussi des dynamiques innovantes, entre autres. Alors, le jeu de cette famille, il est en libre accès puisqu'il est offert à nos participants. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer. Vous êtes mes invités, hein, et ceux de Nicolas et Florian, et vous pouvez y aller. Et il y a aussi le même jeu côté Afrique, puisque le Safety Web Event, qui est l'événement qu'on organise bientôt, hein, entre autres, dont je porte l'organisation, qui est un événement 100% à distance, 100% connecté à l'innovation et l'actualité en santé, sécurité au travail, et qui va avoir lieu la veille et le jour de la Journée mondiale de la santé, sécurité au travail, hein, le Safety Web Event numéro 3. Et ben, ce fameux numéro 3, il est mondial, puisqu'il y a 3 continents qui sont représentés dans les intervenants, hein, le Canada, d'accord, l'Afrique et l'Europe. D'ailleurs, je salue Céline qui est dans l'Assemblée et qui va venir nous présenter sa solution, son innovation digitale aussi au Safety. 3 continents sont représentés. Il est 70-80% féminin aussi cette fois. Oui, j'ai vu passer ça sur les réseaux. Ça, c'est spécifique ou c'est un hasard? Bah, en fait, c'est une volonté parce que ça faisait 2 fois que je l'organisais. La première fois, j'étais toute seule parmi que des hommes. Voilà. Je me souviens, j'y étais. Voilà, exactement. Il y a même une copine qui m'a dit, oh, bah, dis donc, à chaque fois que les blagues féminines elles sont faites, c'est toi qui prends tout dans la figure. Donc, c'est un peu sexiste. J'ai dit non, c'est parce qu'il faut aussi savoir rire de son genre. Ça fait partie des plaisanteries qu'on a fait. La deuxième fois, on n'était que 3 filles. Et là, j'ai dit non, c'est pas possible. C'est pas possible. Bien. Je forme, j'accompagne des responsables QSE féminines et il n'y en a pas une seule au Safety Web Event. Ouais. Donc, voilà. Donc la décision a vraiment été prise à ce moment-là de faire en sorte que le Safety, celui-là en particulier, soit à majorité féminine. Alors, j'ai un peu craqué hein, quand même. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a des intervenants aussi. Il y a des innovations qui sont portées par des hommes. Hein. Évidemment, je ne peux pas faire autrement que voilà, déjà, j'ai refusé. J'ai refusé une innovation super intéressante. Elle va être dans les coups de pub parce que je n'ai pas réussi à dire complètement non. J'ai dit, je vais en faire un coup de pub. Nicolas, tu étais un coup de cœur au premier Safety. Hein. Ouais, alors merci. Franchement, tes podcasts, moi, je suis fan. Merci. Bah, j'en ai un qui doit être. Bon, bref, on va pas dévier, mais il faut que je le relance. Moi, je suis fan. Florian Heiser, mais attends, l'innovation qui est portée par Florian, alors je pense que nos publics la connaissent, en tout cas, j'espère. Mais il était au Safety 2 effectivement, utiliser la vidéosurveillance pour repérer les situations dangereuses et pouvoir bosser dessus, mais c'est génial, quoi. Mmh. Voilà, donc plein de petites choses comme ça. Alors, la Skin City, bah, c'est génial aussi parce que c'est une plateforme de jeux vidéo. Alors, ça veut dire quoi? Alors là, on a quelques petits jeux. Alors, des jeux vidéo, il y en a de 3 types. D'accord. Alors, ce que vous voyez là, bah, c'est les premiers que j'ai mis en ligne. Hein, voilà. Déclinaisons des jeux de cartes, quoi, ceux-ci, c'est ça? Ouais, c'est ça. Voilà. Alors, moi, c'est ce que j'appelle des petits jeux de savoir. D'accord. Donc ça, c'est une première dynamique de jeu. La compétence, en fait, elle se résume en 3 points. Savoir, savoir-faire, savoir-être. Alors, la question à se poser, c'est est-ce que sur une plateforme de jeux vidéo, on peut acquérir du savoir-faire et est-ce qu'on peut acquérir du savoir-être? Oui, et moi, ma réponse là-dessus, c'est oui. D'accord. Voilà. Et vraiment, c'est pour ça que alors j'ai commencé quand même par des petits jeux de savoir, donc pour jouer à la réglementation sécurité, c'est quand même vachement plus sympa au travers d'un jeu de cette famille et d'un challenge un peu quiz, quoi. Hein. Donc voilà, on gagne des points, voilà, on se challenge. Ouais, la gamification, voilà, c'est... Voilà, donc voilà. Alors pour la petite histoire, il y a 8400, pour ceux qui voudraient jouer au jeu de cette famille Santé Sécurité au Travail France, il y a 8400 points à gagner, hein, donc avis aux amateurs. Voilà, donc score à battre, 8400. Enfin, challenge. À atteindre. À voir la semaine prochaine.
Voilà, exactement. Il y a possibilité aussi, alors le jeu dont que j'évoquais tout à l'heure avec vous, cette fameuse enquête policière pour apprendre à utiliser les outils et les méthodes de résolution de problèmes, c'est ce que j'appelle un jeu de savoir-faire. Et du coup, c'est une autre dynamique de jeu, c'est des jeux de rôle, donc ça va arriver, hein. Je suis en train de finaliser justement, pareil, hein, j'utilise, alors là je ne suis pas toute seule parce que c'est plus compliqué d'utiliser l'outil, moi j'utilise des outils qui permettent à des formateurs de développer les choses sans les coder, je ne sais pas coder, donc voilà. Ah, du no-code, ouais. Voilà, no-code, c'est no-code, c'est ça. Ouais. Soit je fais appel à des développeurs informatiques qui savent coder, hein, auquel cas, soit je fais appel à ma compétence avec le no-code, parce que ce n'est pas facile de trouver les deux. Et il va y avoir des jeux de savoir-être. Alors, pour revenir sur le savoir-faire, finalement, pour, je dirais, vulgariser la thématique, derrière, c'est de dire, ça va être des techniques et des méthodologies, finalement, pour développer, justement, mettre en application le savoir qu'on a eu, comment le mettre en application concrètement, c'est ça ? Alors, oui, tout à fait. Concrètement, l'enquête policière, hein, elle sert à quoi ? On va pratiquer les outils de résolution de problèmes. On va utiliser le QQOQCP. On va utiliser les 5 pourquoi, les 5 M, par exemple. Hein, enfin, par exemple, en vrai. Ouais. On va utiliser les matrices de compatibilité pour, voilà, mais pour trouver le pourquoi, Monsieur Michaud, PDG d'une société de 400 personnes, a été retrouvé mort en bas de son immeuble. Voilà. C'est le Cluedo revisité. C'est ça, c'est le Cluedo SST. Revisité. Exactement. QSE. Exactement. Voilà. Avec le colonel moutarde aussi. Le deuxième niveau, parce que c'est multiniveau, donc premier niveau, quand on a résolu l'enquête, on passe à un niveau supérieur et on se retrouve chez Livragel, donc qui est une entreprise qui, au demeurant, livre des produits surgelés et dont la direction a beaucoup de soucis avec les livraisons qui se font sur la Normandie, hein, effectivement. D'accord. Et donc, du coup, on va monter en compétence petit à petit. C'est ce que j'appelle des jeux de savoir-faire. D'accord. Alors, les jeux de savoir-être, ils vont arriver sur la plateforme et du coup, je reviens sur les partenariats parce que cette plateforme, parce que voilà, c'est un méga écosystème, je disais, pour créer des jeux, vous avez vu, il y a deux jeux qui n'ont rien à voir avec le QSE. Sur la Skill City. Il y a un jeu qui s'appelle LinkedIn, donc développer son réseau avec LinkedIn. Je clique. Voilà. Donc, et il y en a un autre, c'est gestion des ressources humaines. Alors, d'accord. En fait, ça veut dire quoi ? Bah, ça veut dire que sur la Skill City, on va aussi, et dans les Skilly Tools, on va aussi trouver des jeux d'autres partenaires qui ont un savoir-faire, hein, donc du coup, et qui souhaitent évidemment transformer et transmettre ce savoir-faire ou ce savoir au travers du jeu. Hein, et du coup, eh bien, je travaille avec des gens qui sont des auteurs. Alors, comment ça marche ? Eh bien, c'est des auteurs, donc on leur préserve leurs droits d'auteur, hein, c'est normal. Il y a un contrat, hein, d'exploitation de droits d'auteur entre Skillity, évidemment, et ces auteurs qui créent des choses, hein, qui ne sont pas moi. Hein, voilà. Lorsqu'un de leurs jeux est vendu, que ce soit en outil ou bien en jeu vidéo, hein, enfin en jeu de cartes ou en jeu divers et en jeu vidéo, eh bien, ils touchent les droits d'auteur. Eh bien, d'accord. C'est exactement la même chose sur le Skill Campus qu'on évoquait tout à l'heure. Okay. Les parcours d'accompagnement conseil, c'est la même chose. On a donc, des auteurs. Skillity, la solution globale, finalement, elle n'est pas, même si elle a commencé peut-être par les thématiques santé, sécurité au travail, elle a plutôt une vocation très organisationnelle globale, au sens finalement que prennent les normes, hein, depuis quelques temps, hein, et d'avoir une vision transverse plutôt qu'en silo. Casser les silos, en fait, l'idée, si je comprends bien. Exactement ça. Alors, pour la petite histoire et pour compléter ton information, Nicolas, c'est-à-dire que là, par exemple, alors effectivement, on voit des jeux sécurité, puis il y a un jeu administration des ressources humaines. Demain, il va y avoir un jeu qualité, hein, entre autres. Alors je dis demain parce que j'ai une petite cliente qui m'a dit Isabelle, ce serait bien si tu me faisais. Bah oui. Voilà, j'ai Frédéric qui est à l'origine du Before et Safety Day, hein, voilà, qui est devenu aujourd'hui le Safety Web Event. Donc Frédéric Bélanger, que je connais bien, que je salue, qui est à Mayotte en ce moment, qui est un ancien collègue et toujours un collègue d'ailleurs. Frédéric, il m'a demandé un jeu sur la gestion des déchets. Hein, voilà. Alors. Je peux faire plein de choses, sauf que j'ai pas, voilà, je ne suis pas une pieuvre, je ne suis pas multitâche. Et évidemment,
Le fait de faire appel à des partenaires qui ont de la compétence, hein, encore une fois, tout le monde ne peut pas venir créer un jeu pour Skility. Il faut que ça soit dans le thème, entre autres. Il faut que ça corresponde à ce que je veux faire de Skility, qui est rendre la compétence accessible à tous. Donc, il faut que ça rentre dans les sujets, organisation industrielle, excellence opérationnelle, développement personnel aussi. Hervé, c'est développer son réseau grâce à LinkedIn, ses nouveaux outils. C'est vraiment, il faut que ça corresponde à l'esprit que je veux donner à la plateforme. Il faut que ça rentre dans la politique de prix aussi. Souviens-toi, Nicolas, tout à l'heure, je disais, moi, je viens des TPE-PME. Hein. Ça veut dire qu'on a peu de moyens. À ce public-là. Voilà, on reste avec les moyens du bord. Alors, ça s'adresse à plus de gens, évidemment. Ceci dit, pour que ça reste accessible à des TPE-PME, on ne peut pas se permettre d'avoir des prix qui sont faramineux. Voilà, moi, je ne vais pas développer un jeu vidéo pour 50 000 euros. Non, ça, voilà, ça ne fait pas partie du… Ce n'est pas dans mon ADN et ce n'est pas dans l'ADN de la plateforme, du coup, hein, par exemple. Et à chaque fois que je crée quelque chose, notamment, je vois ce que ça soit réutilisable pour d'autres aussi. Tout à l'heure, j'évoquais le livret d'accueil digitalisé. C'est une demande d'un client qui m'a dit « Est-ce que vous me pourriez faire un livret d'accueil ?» De la folie, hein. Pour cette TPE, c'est de la folie. C'est une TPE du BTP qui me dit, Isabelle, j'aimerais bien que vous me digitalisiez complètement avec plein de jeux, hein, plein de trucs marrants, le livret d'accueil sécurité pour mon entreprise, qui est Maz, voilà. Et son livret d'accueil, il est un peu barbant, il faut le dire à lire, quoi. Hein. C'est souvent le cas. Coup, voilà. Donc, du coup, je lui ai fait un truc, hein, et on est encore en train d'évoluer dessus, je lui ai fait un truc où ils vont ouvrir un livret d'accueil digital, ils vont cliquer, ils vont avoir un petit fil, ils vont cliquer sur les onglets, ils vont avoir plein de trucs, des jeux aussi pour s'évaluer, des chasses au risque. Et ça, c'est une TPE. Donc il me dit, j'ai pas trop de moyens. Ok, très bien, on développe, je le développe, on le généralise et on le vend à d'autres. Alors, de manière abordable. Pour vous donner une idée, le prix sur le Skill Campus de ce livret d'accueil totalement digitalisé, il sera maximum à 25 euros la connexion. Maximum. D'accord. Voilà. Donc, parce qu'on n'ira pas au-delà, hein, parce que ça ne rentre pas dans mon ADN. J'ai refusé un jeu qui est super bien, que je recommande d'ailleurs, parce qu'il est trop cher. Hein. Moi, c'est une boîte de jeux. C'est la Management Box. Je ne sais pas si vous connaissez la Management Box, mais c'est une boîte ludique. Ouais. Ah, c'est génial. C'est Ethic Consulting, une société de management qui a créé ça. Et cette Management Box, c'est pour animer des réunions de gestion de conflits, de résolution de problèmes avec des cartes à jouer. Et c'est super. C'est une vraie innovation. Sauf que dans le catalogue des Skill Tools, la Management Box, elle coûte 500 euros. Elle est trop chère. Ah ouais. Ça ressemble, voilà. Ça fait penser un peu à ce que propose, alors toute proportion gardée, parce que ce n'est pas du tout les mêmes ordres de prix, mais le réseau Aractanact a des types de petits jeux de cartes de résolution de problèmes, mais c'est 10 fois moins. Hein. Voilà, donc du coup, c'est ça, il faut se dire attention. L'ADN de Skility, c'est rendre les compétences accessibles à tous. Donc, on reste dans des tarifs qui doivent être accessibles. En tout cas, c'est dans mon ADN. Ça ne soit pas un frein, en tout cas, pour les entreprises. C'est ça, exactement. Et alors, la petite dernière chose qui est vachement importante et que je vais évoquer, que je vais vous partager, c'est le comment est-ce que j'obtiens que des auteurs développent des jeux de cartes. C'est simple. J'ai créé avec un développeur informatique qui est aussi fou que moi puisque c'est un prof, qui accessoirement est le créateur, l'inventeur de Mirage Mech, qui est un petit marqueur de réalité augmentée. Hein, donc, on a créé tous les deux avec nos deux cerveaux le Skill Tools Maker. Alors c'est quoi? C'est une application qui permet à des formateurs de créer tout simplement leur jeu de cartes pour l'instant, d'intégrer, donc de préparer leurs questions-réponses, etc., d'intégrer un contenu en réalité augmentée, entre autres, d'imprimer ou de faire imprimer ce jeu auprès de notre plateforme comme Vistaprint, et à chaque fois qu'ils créent un jeu, de le transformer en jeu vidéo sur la Skill City. Voilà. Alors, je vous fais voir le Skill Toolmaker de l'intérieur. Comme ça, vous allez voir. Et ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que n'importe quel responsable QSE, animateur QSE, formateur QSE, consultant QSE, entreprise, peut créer son propre jeu de cartes, tout bêtement. Par rapport à son contexte, ses problématiques, ses enjeux propres, en fait.
Exactement. Alors, je vous fais voir, je l'ai ouvert hein, parce que je ne me rappelle jamais de mes mots de passe et ils sont à rallonge. Voilà comment ça se présente. Alors, évidemment, c'est mon compte admin. Hein. Voilà. Un accueil. Alors, ajouter des fonds, ça ne marche pas encore parce qu'il est encore en bêta test, mais plus pour longtemps. Et pareil, il sera accessible à tous. Hein. Voilà. Et puis, on va créer des jeux. Hein. Donc, pour créer, on va accéder à l'application hein, qui s'appelle Skittles Maker. Et vous allez tomber bah, dans mon application à moi hein, de création de jeux de cartes. Voilà. Donc là, vous êtes sur mon espace. Donc, voilà, vous êtes dans ma zone de création. Alors, ça pédale un petit peu. J'ai beaucoup d'onglets ouverts. Hein, puis Teams, voilà. Et le premier que j'avais créé, ben justement, ça tombe bien. C'était pour l'événement de Frédéric, hein, le premier bêta test que j'avais mis en place. C'était pour le Before et Safety Day. Hein, c'était un petit cadeau, un petit goodies. Et le sujet, c'était sur la protection des données, puisque Frédéric avait souhaité qu'il y ait des interventions sur la RGPD. Et parce que c'était l'époque, hein, puisque c'est en mai. 2018, hein, Voilà. Et donc, voilà. Et j'avais ouvert cet espace pour le RGPD. Alors, comme on est en période de coronavirus, bah, je vais plutôt prendre celui-là. J'ai créé une carte il y a quelques temps, juste pour rire et pour montrer un petit peu de quoi le Skilly Toolmaker était capable. J'ai créé ça pour... questionné sur le coronavirus et du coup je vais ouvrir une carte hein, la première au hasard voilà et comment ça marche bah ici vous voyez ma souris qui se déplace je vais compléter voilà j'ai mon espace où je peux changer mes questions hein. Voilà d'accord j'ai mon espace donc je peux donner un alors tout est paramétrable ouais d'accord tout est paramétrable donc la personne rentre alors le principe du jeu de départ, c'était le jeu de cette famille, parce que je m'étais dit, voilà, bah, on va faire un jeu de cette famille. Et du coup, évidemment, Marc Aurélien, il m'a créé un espace pour créer un jeu de cette famille. Ceci dit, on peut mettre 42 cartes, mais l'espace du Skilly Toolmaker peut permettre de créer jusqu'à 20 jeux de cartes différents. Donc, du coup, bah, voilà, 42 fois 20, vous imaginez le nombre de cartes que vous pouvez faire. Un vrai jeu de plus qu'un jeu de... voilà, de cartes, voilà, entre autres. D'ailleurs, le jeu d'Hervé, le prochain jeu Info Intox sur l'utilisation de LinkedIn, il fait 100 cartes. Donc, il y a 50 infos, 50 intox. Donc, voilà, ça vous donne une idée. Donc, on va nommer sa famille ou son thème, un sous-thème, donc un nom de personnage. Là, je l'ai appelé Covid-19. Alors, pas le grand-père, la grand-mère, etc. On est dans des jeux pédagogiques, oui. Donc voilà, donc nom de personnage. Ensuite, on va choisir son liseré, on va choisir sa photo. J'ai une bibliothèque d'images qui a été conçue par que vous voyez là, qui a été conçue par Anthony Faucheux, qui a des images à peu près sur tous les thèmes. Hein. On essaye d'en mettre de plus en plus. Le prochain thème, c'est voilà. Donc je vais annuler parce que j'ai déjà une image, elle est très bien. Ensuite, je choisis mes questions. Alors je choisis mon type de jeu, ma dynamique. Quiz vrai faux ou info intox, je choisis, hein, voilà. Ensuite, c'était un quiz. Donc je complète ma question, hein, je complète mes réponses. Je peux aller jusqu'à 4 réponses différentes et je choisis la bonne réponse puisque voilà. Ok. Je peux choisir de colorier avec un petit liseré vert la bonne réponse. Attention, la dynamique du jeu présentiel. Quand on joue au jeu de cette famille, on demande un personnage. Pour avoir le personnage, il faut poser une question. Enfin, il faut répondre à la question. Mais quelquefois, celui qui pose la question n'a pas la réponse. Du coup, on la colorie en vert, comme ça, il l'a. Hein, donc d'accord, les deux après. Exactement. Un petit feedback en réalité augmentée. Bah là, j'ai dû mettre un truc. Voilà, ça, c'est moi. Je vous présente Isabelle Guenet. Voilà. Alors, comment ça marche? On va aller charger, en fait, ce feedback. Texte, image, voilà, ou vidéo. Hein. Et il va venir glisser, c'était une vidéo, dans la carte et à l'intérieur d'un petit marqueur. On enregistre la carte. Et là, je ne vais pas l'enregistrer parce qu'elle l'est déjà. Je vais vous la montrer. Hein, donc, et du coup, on a une carte qui a cette tête-là. Donc, la bonne prévention contre le coronavirus, c'était son titre, Covid-19, la question, les types de réponses, vous voyez la réponse en vert, je ne sais pas si c'est assez grand. Oui, voilà, je vais agrandir un petit peu. Voilà. Oui, le liseré, vous en pouvez en choisir plusieurs. Et au dos, on a un petit marqueur de réalité augmentée. Et c'est grâce à une application mobile et son téléphone portable qu'on va pouvoir lire ce qu'il y a dans le marqueur, auquel cas la vidéo que vous avez vue tout à l'heure. Ouais. Voilà. Et ce jeu-là,
Alors, je vais, voilà, parce que le temps passe et je ne vais pas basculer de l'autre côté, mais ce jeu-là, eh bien, il est aussi jouable sur la Skill City. C'est-à-dire qu'à partir du moment, alors il est caché pour le moment, parce que voilà, à partir du moment où un jeu est créé dans le Skill Toolmaker, il est jouable, il est d'office transformé en jeu vidéo. Parce qu'il a un code jeu unique et on peut le faire jouer sur la Skill City. Ok, il est intégré voilà. au catalogue. Voilà, exactement, et l'intégrer au catalogue. Et quand on est partenaire, et ben voilà, devenir partenaire à la fois des Skilly Tools et de la Skill City. Et si on crée des parcours en plus d'accompagnement conseil, et ben devenir partenaire du Skill Campus, sachant que le client, il va faire appel à vous, puisque c'est vous le propriétaire du parcours. Voilà, quand on... voilà un petit peu de résumé de ce qu'est Skillity et de ces différents concepts. On a vraiment vu les grandes lignes, les grands concepts. Effectivement, c'est intéressant de le voir en plus concrètement, hein, effectivement, au-delà de juste le consulter sur un site web. C'est ça, c'est un écosystème. Alors, j'en profite là pour demander s'il y a des gens qui ont des questions parmi les participants, des précisions qui voudraient s'adresser directement à toi ou bien en levant la main sur Teams et on laisse la parole, on ouvre le micro ou en posant une question dans le chat si vous n'avez pas la possibilité de parler. Voilà, donc là, j'invite les gens à le faire. En attendant, avant que les premières questions ne tombent, s'il y en a, est-ce que tu peux nous parler justement du Safety Web Event, parce qu'on a dit les dates, mais est-ce qu'on peut le rappeler oui, quand est-ce qu'il va se passer, est-ce qu'on doit s'inscrire, etc. Est-ce qu'il y a un programme qui est défini? Tout ça, je te laisse présenter. Alors, le Safety Web Event, déjà, son origine, c'était un événement présentiel qui s'appelait le Before Safety Day, qui était organisé à Tours, très exactement, par Frédéric Bélanger, et dont je faisais partie de l'équipe d'organisation aux côtés de Michael Foucault et puis d'Aline Bourgeois, hein, donc, qui sont des consultants QSE, entre autres, hein, donc partenaires de réseau. Hein. Oui. Et ce Before Safety Day s'est retrouvé bien malheureux au moment du Covid. Voilà. Et puis, merci Jérémy Pelletier, qui est dans le public. Parce que c'est grâce à Jérémy. Qui a dû partir, Jérémy, malheureusement. Voilà. Et c'est grâce à Jérémy, effectivement, que le Before Safety Day est devenu le Safety Web Event, puisque en avril 2020, au moment de la Journée mondiale de la santé sécurité au travail, où j'ai fait un petit post sur LinkedIn, Jérémy nous a demandé s'il avait lieu finalement. Et là, j'ai attendu une journée pour lui dire : et si on le faisait en ligne, est-ce que vous viendriez ? Et là, j'ai publié ça sur LinkedIn et là, j'ai eu « Ah ouais !» Et on a organisé le premier Safety Web Event. On a eu 250 inscrits, voilà, 150 connexions. On était en plein Covid. Au Safety Web Event numéro 2 d'octobre, où Florian a participé, parce qu'on s'était dit bah, « On le refera dans 6 mois. » voilà. Oui. Comme on avait donné rendez-vous, bah, on l'a refait. Et puis là, alors là, celui-là, donc il y a eu 235 inscriptions, un petit peu moins de connexions parce qu'on avait repris, mais 80 personnes connectées en permanence. Hein, donc entre autres. Pas mal sur toute la journée. Voilà, exactement. C'est ça. Alors celui-là, c'est 2 jours complets, hein, parce que c'est lors des journées mondiales. Alors on reprend un petit peu l'origine du Before et Safety. Donc on refait un Before et un Safety, mais on fait Web Event, c'est-à-dire c'est 100% en ligne. Donc tout le monde peut se connecter. 3 continents sont représentés parmi les intervenants. Donc on a Yvan Ebongué qui viendra nous représenter l'Afrique et notamment la Côte d'Ivoire, hein, et qui viendra nous parler des interventions à haut risque. Alors au risque dans les deux sens du terme, parce que ce sont des interventions et la prévention des interventions sur les grandes hauteurs, entre autres, voilà, et d'accord. Au risque, parce qu'effectivement, il y a de grands risques sur ces interventions-là. Il viendra nous parler aussi de la réglementation sécurité en Côte d'Ivoire, voilà. Alors, je ne vais pas tous les citer, parce que, voilà, on a aujourd'hui, il y a 15 intervenants, hein, voilà, qui sont prévus sur les deux journées. Donc, comme tu dis, Nicolas, ouais, c'est donc pour organiser le programme, c'est un peu tassé. On a 2 Canadiennes, on a Christelle Decatte que peut-être vous connaissez, qui est en train de faire le buzz avec ses affichettes qui sont géniales pour mobiliser les participants et les collaborateurs à la santé sécurité au travail, pardon. Christelle, elle a créé 300 affichettes. Elle en a fait cadeau de 50 sur les ondes, elle en a créé 300. Hein, donc voilà. Entre autres, donc c'est notre invitée d'honneur canadienne. La dernière fois, c'était Marc-André. Alors justement, je fais un petit aparté pour Marc-André, si tu veux bien, Nicolas, parce que
Le 29 avril, le lendemain du Safety Web Event, Marc-André, il organise une conférence, une formation hein, sur le thème de la santé et sécurité au travail. Il faut savoir que Marc-André, c'est un auteur de best-seller. Hein. Le mec, il a fait 12 best-sellers dans le domaine de la santé et sécurité au travail. Donc, c'est pas rien quand même. Hein. Il nous a offert… Dans le dernier. Celui-ci, j'ai eu l'honneur d'être cité dedans, donc j'en profite. Ouais. Moi, je l'aime bien aussi, celui-là. Ah, il est vraiment sympa en plus, Marc-André. Donc, il est aussi dans cette approche de dédramatisation, démystification des démarches en gardant un peu les pieds sur terre et éviter de laisser ça, les experts pour les experts, un peu hors sol. Ouais. C'est ça. Exactement. Chacun des bouquins de Marc-André est lisible en 3 à 4 heures maximum. C'est-à-dire qu'en fait, il fournit du pratico-pratique. C'est pour ça qu'il a été invité aussi. Hein. Ouais. Il est très pragmatique. Christelle aussi, elle est hyper pragmatique. Je l'adore, cette fille. Vous verrez, c'est la… En fait, pour moi, alors voilà, je ne cache pas mon âge, j'ai 55 ans, c'est la relève. Hein. Voilà. Et je suis contente que cette relève soit féminine. Voilà. Donc voilà, si vous voulez, donc le safety, les inscriptions sont ouvertes jusqu'à la veille de l'événement, hein, toujours. C'est 100% offert à tous nos participants et à tous nos intervenants. Hein, donc, voilà, moi, je porte l'événement en termes d'organisation. Voilà, le programme, il est plein. On va parler RSE, responsabilité sociétale, puisque entre la sécurité, la responsabilité sociétale et le bien-être, il n'y a qu'un pas à franchir. Là aussi, tu casses les silos, quoi. Voilà, exactement. On casse encore les silos, on casse les genres parce qu'on met 80% de femmes sur celui-ci et on casse les silos. Voilà, j'arrête de bavarder. Hein. Si tu me branches, moi, je suis un débranchable. Hein. Voilà, Fabien Christel, justement, demande s'il y a des prévisions de jeu sur la RSE, justement, alors là, franchement, c'est mon sujet de prédilection. Hein. Il faut savoir que je côtoie les sujets responsabilité sociétale des organisations. Alors déjà depuis longtemps, depuis 98, hein, quand ce concept, il est né. Et je me suis toujours dit, mais nos chefs d'entreprise, les TPE, PME, mais ils ont la RSE dans le sang. C'est-à-dire que quand ils mettent en place, quand ils ouvrent leur société, hein, ils l'ouvrent parce qu'ils ont envie de produire des ressources, ils ont envie de produire de la richesse autour d'eux, ils ont envie de fournir des emplois, ils sont tout à fait responsables, nos chefs d'entreprise de TPE. Et quelque part, des fois, ça me met un peu en colère qu'on dise « ouais, rendons les entreprises responsables ». Mais regardez les chefs d'entreprise des TPE, il n'y a pas plus responsable qu'eux. Et effectivement, oui. Alors voilà, j'ai même un jeu sur la RSE. Hein. Voilà, j'ai une chasse au trésor d'enfer. Eh ben, on invite Fabien à aller jeter un œil sur Skillity pour aller constater par lui-même. Alors je viens de faire un blog, je viens enfin de publier une newsletter parce que les choses se font entre deux. Hein, voilà, je continue à exercer mon métier de consultante et de formatrice. Hein. Faut le savoir. D'ailleurs, je surveille l'heure, j'ai rendez-vous à 14h aussi. Oui, bon, voilà. On ne va pas te retarder. Est-ce qu'on peut trouver le lien vers le Safety Web Event quelque part d'inscription parce que ça nous est demandé. Tu viens de le mettre, Florian. Eh bien, écoute, parfait. Merci. Voilà. Fais leur activité, bravo. Ouais, non, je peux encore vous accorder quelques temps, rassurez-vous quand même, pour répondre aux questions. Hein. Oui, suivez les actions de Skillity. Voilà, suivez les actualités de Skillity. N'hésitez pas, vous pouvez. Alors, j'ai mis une petite newsletter, je ne sais plus si j'ai mis le lien d'ailleurs. Voilà, on peut s'abonner à la newsletter. Hein, voilà, j'ai mis les trois concepts sur LinkedIn avec les pages vitrines pour que les gens puissent suivre l'actualité. Voilà. Et puis, alors, voilà, avis aux auteurs. Hein, je n'ai qu'un cerveau et deux bras. Donc, et n'hésitez pas à vous lancer. Alors, je n'ai pas la prétention d'être une experte en tout, mais ces métiers-là, je les connais bien et je les adore. Donc voilà, si vous, le jeu va être porté. Hein, je porte mes auteurs, je porte mes intervenants, je porte les concepteurs de parcours. Je vais pas les mettre en difficulté, au contraire. Hein, l'idée, c'est à chaque fois, enfin Nicolas et Florian, vous êtes intervenus, vous voyez bien comme je travaille en fait. Aucun souci entre de bonnes mains. Voilà, l'idée, c'est de porter les gens et les propositions qui sont faites. Pour les rendre disponibles au plus grand nombre. C'est ça aussi l'esprit à la fois de Skillity et puis du Safety Web Event aussi. Hein, donc, c'est aussi accessible. L'enthousiasme. C'est ça aussi, ça, accessible au plus grand nombre. Alors, Fabien demande si tu accompagnes essentiellement les TPE, PME ou aussi d'autres types d'entreprises. En gros, est-ce que tu te fermes les grands groupes ou pas ?
Non, non, je ne me ferme pas les grands groupes. J'accompagne aussi des grands groupes. Ceci dit, c'est moi. Alors, je suis plus, j'ai plus de mal avec le politiquement correct. Voilà, vous me rendez compte, je suis un peu cash. Donc, dans les grands groupes, j'ai moins de savoir-être par rapport aux TPE parce que déjà, je viens des TPE et j'ai beaucoup de mal à naviguer dans les sphères politiques des grands groupes. Donc, alors je dis oui, j'accompagne, évidemment. Il y a des gens qui viennent des grands groupes que j'accompagne, et bien volontiers d'ailleurs sur des beaux projets. Ceci dit, ouais, je mets toujours le bémol, je colle pas partout. Hein. Voilà. Bon. Écoute, c'est que je ne colle pas partout. Exactement. Et c'est bien de connaître aussi, c'est faire son propre SWOT, hein. ses forces, faiblesses. J'ai mes limites. OK, bye. Hop. Oui, ah non, c'était une autre question, pardon, effectivement. Moi, j'étais partie sur un type, mais effectivement, il y a plusieurs autres types, alors, ça peut être, effectivement. Bien sûr, même les jeux, en fait, j'ai une petite demande sur une entreprise adaptée, puisque, une des questions m'a été posée, c'est est-ce qu'on peut adapter les jeux pour des personnes qui ont un handicap, quel qu'il soit, y compris un handicap mental. Et ma réponse est oui, au contraire. Et je travaille, alors je ne sais pas si Blandine est dans les parages, mais Blandine, qui est la responsable qualité de l'ADAPEI 27, effectivement, ah oui. Qui a fait cette demande et qui, qui est vraiment impliquée dans l'histoire, où ils essayent vraiment de mettre en place des choses. Et oui, c'est aussi un moyen. Alors, il n'y a pas, que des jeux. Hein. Là, par exemple, dans pas longtemps, alors j'espère dans pas trop, trop longtemps, je vais sortir un 421 de gestion du temps. Alors, voilà, je spoil un petit peu. Ah ouais, il y a Nicolas qui… je vois tes oreilles se dresser, Nicolas, comme ça. J'aime bien ce genre de truc. je vais le publier, je ne vais pas trop traîner, d'ici la semaine prochaine, je vais essayer. Moi, je l'ai testé, je me suis dit, je vais adapter la matrice d'Eisenhower sous forme d'un 421 pour mieux gérer son temps, hein, et se donner des défis. Vous imaginez qu'avec tous les projets que j'ai encore en route, j'ai intérêt à gérer mon temps. Et comme j'aime bien jouer, je me suis donné un challenge. Par exemple, donc j'ai fait un espèce de… Alors, c'est un outil d'organisation, hein. C'est un 421 de gestion du temps, voilà. Donc, alors, pourquoi 421? 4 essentiels, voilà, tout simplement. 2, alors, 2 choses pour évacuer les nuages qu'on a dans le cerveau, hein, 2 nuages, et une seule liste d'actions avec des petites actions qu'on peut mener, puisque quand ça prend 2 minutes, c'est quand même fait, hein, voilà. Donc, on peut se mettre un point parce qu'on les a faites. Donc, voilà. Donc, une seule to-do list, quelque part. Voilà. Parfait. Écoute, ça conclut bien, je trouve, cette heure. Oui. Alors, écoute, il y a Fabien Crestel qui sera intéressé pour échanger avec toi outre mesure. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec Isabelle sur LinkedIn, avec Skility ou directement avec ton propre profil. Merci aux participants et aux participantes d'avoir échangé. De votre intérêt et de vos échanges. Et au plaisir de vous retrouver pour le Safety Web Event dans 15 jours et dès la semaine prochaine, le 20 avril, avec un Team Bakery qui viendra faire une nouvelle présentation dès la semaine prochaine. Alors, ce ne sera pas moi, je ne suis pas là, moi je serai en mission ailleurs, mais ça sera Florian et Damien qui reprendront le flambeau sans aucun souci. Et donc, on se retrouve au mois de mai maintenant, puisque dans 15 jours, c'est le Safety Web Event, en tout cas pour moi. À bientôt, et puis bienvenue à tous, et puis je recommande la box de Team Bakery. Voilà, okay. En plus, voilà. Les croissants. Avec tu fais la passation parfaite. Super. Allez, à bientôt, au revoir, merci à tous. Au revoir. À bientôt, au revoir.